Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec, regardez, il est là, Pépé Garcia, invité. Comment ça va, Pépé? Ça va, Julien, ça va tout le monde. Je suis super content d'être invité. C'est la première fois en plus, j'essuie les plâtres avec toi, donc je suis super content. Vraiment, je suis très heureux. Eh ben moi, je suis très heureux de t'avoir, Pépé Garcia. Il est journaliste, il est youtubeur, il est serial traveler, voyageur tous les jours. Tu officies pour 01net TV, pour BFM Business, mais bon, un peu partout. Tu parles de high-tech, tu transmets ta passion, quoi. Bah écoute, moi j'ai de la chance parce que quand j'étais gamin, je démontais tout, j'étais un passionné et je me suis dit, il faut que je fasse ce métier, quoi. Donc j'ai su garder entre guillemets, ou j'ai pu garder cette passion et en vivre maintenant et en faire mon métier. Donc je suis un mec super heureux, quoi. Parce que c'est mon kiff, quoi. Tous les matos, c'est mon kiff. Ah, moi je te suis hein, sur ta chaîne YouTube, elle est facile à trouver, hein, c'est Pépé World, le monde. Mais pourquoi le monde? Bah parce que vous allez voir, si vous le connaissez pas, il est toujours en mouvement, aux États-Unis, en Asie, au Japon, partout tout le temps. Et t'as proposé une petite vidéo de Jérôme Bonaldi qui est absolument d'ores et déjà cultissime. Ouais, parce que Jérôme, moi, c'est vrai, Jérôme, c'est le mec qui m'a donné envie de faire ce métier. Parce que quand j'étais gamin, je regardais Jérôme Bonaldi sur Canal+, et je dis, mais le mec est génial, quoi. Il parle de high-tech, il fait marrer les gens, il est passionné, que ça marche ou ça marche pas, que l'effet Bonaldi ou autre. Et ce mec, je l'ai rencontré. J'ai fait cette vidéo où il me bâche la gueule pendant 12 minutes. Parce que bon, et entre guillemets, aussi. Il est super poète et quand il a quitté Canal, moi j'ai commencé à Canal justement après la nouvelle édition, donc j'ai un peu entre guillemets pris le relais modestement parce que je pourrais jamais égaler la carrière de ce mec et ça m'a fait rêver de le rencontrer, il s'en est rendu compte et du coup il y a été à fond et ça donne une vidéo que tu as pu voir et que j'espère qu'on verra qui est, je pense, culte. Ah bah en tout cas, ouais, je vous invite, hein, si vous voulez découvrir un petit peu l'univers de Pépé, allez voir sa chaîne, franchement, il y a du lourd, il y a beaucoup de passion de la Merci. Nouvelle technologie en général. Mais si je t'invite aujourd'hui, Pépé, c'est pour parler un petit peu, essayer de faire le point grâce à ton expertise, eh bien sur tous ces termes, toutes ces technologies qu'on voit partout, la 4K, l'Ultra HD, le HDR, le OLED, etc. Vous qui me suivez, bah, vous avez vu, hein, maintenant, il y a la PS4 Pro qui fait de la 4K, ou qui essaye, il y a la Xbox One X qui essaye de le proposer. Voilà, mais quel téléviseur acheter? Est-ce que le OLED, c'est mieux que le QLED et compagnie? Enfin, bref, j'ai plein de questions à te poser, Pépé. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, puis j'ai vu sur Twitter, c'est vrai que quand tu as lancé le débat, j'ai commencé à regarder, et ce qui me fait plaisir, c'est que les gens sont carrément passionnés, et les questions sont super légitimes. C'est vraiment les questions que les gens se posent, tu parles avec eux, je parle à mes potes à table et autres, c'est toutes ces questions, parce qu'il y a une nébuleuse autour de ça, c'est que les messages des fabricants sont contradictoires, chacun va pour sa paroisse, ça fait que les gens, au final, bah, les gens, ils prennent ce qu'on leur donne, c'est-à-dire quand il y a tout qui va de tous les côtés, bah, ils sont paumés, c'est normal. Et puis ça va très vite. Ça se renouvelle tout le temps. On était il y a quelques mois, allez, 2 ans maximum, sur les télés 3D. Maintenant, tu as l'impression que c'est déjà fini, c'est has-been, etc. Il y avait les télés incurvées, on n'en parle quasiment plus. Enfin, bref, on va faire le point. Et pour commencer, moi, j'ai une première question. 4K ou Ultra HD? Ultra HD ou 4K? C'est la même chose, c'est pas la même chose? Qu'est-ce qui se passe? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Alors, le truc, c'est que si on va mathématiquement parlant, tout ce que nous avons en grand public, c'est de l'Ultra HD, c'est-à-dire du 3840 pixels. C'est-à-dire mathématiquement, c'est le double, voilà, de ce qu'on avait en Full HD. Par contre, 4K, ça fait plus pro, ça sonne professionnel. Donc, il y a beaucoup de constructeurs qui ont misé sur 4K parce que ça fait rêver, alors qu'on n'a jamais parlé de 2K avant dans le grand public. Et maintenant que Apple a lancé son Apple TV qui s'appelle 4K, donc je pense que c'est mort. N'importe comment, les gens vont dire 4K. Alors que aucun des matériels grand public. C'est un abus de langage en fait. C'est un abus de langage, c'est pas grave, mais aucun des matériels que nous possédons en grand public, j'entends en téléviseur vendu actuellement, n'est en 4096 pixels. Je suis en train de mettre une image où on voit un peu les différences de résolution. Donc la Ultra HD, donc les téléviseurs que vous pouvez acheter, etc., c'est 3840 par 2160. Oui. C'est 4 fois le 1080p qu'on connaissait, donc la Full HD. Ah. C'est 4 fois le nombre de pixels. Le nombre de pixels, d'accord. C'est pas 4 fois la définition, c'est le double de la définition et c'est 4 fois le nombre de pixels. On va perdre les gens là, on part très technique. Ah oui. C'est 2 fois la définition, 4 fois le nombre de pixels parce que tu multiplies haut et bas. Ah oui, c'est vrai, c'est un truc très précis, mais quand même qui me paraît important de souligner, c'est la différence, et je fais l'erreur moi-même assez souvent, hein, entre définition et résolution.
C'est pas la résolution, ça n'existe pas. Attends, en vidéo, ça n'existe pas, la résolution. La résolution, c'est pour la photo ou les imprimantes. Hein. En vidéo, c'est la définition. Par contre, aux États-Unis, on parle de résolution pour définition. Donc, tout se mélange. Mais on va essayer de simplifier les choses. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, Ultra HD ou 4K, mais sachez que votre téléviseur est 3840, mais comprend, si demain matin, vous mettez un signal 4096 sur votre téléviseur, il va le comprendre, mais il ne va pas le restituer entièrement. Il va le restituer en 3840. Point. Donc ces téléviseurs sont compatibles 4K, mais ne l'affichent pas. Il va amorphoser un peu l'image ? Non, ils vont enlever des pixels, enfin ils vont aménager. D'accord. Ils vont aménager. C'est pas une grosse différence hein, au niveau de nos pixels. On ne sentira pas que c'est étiré ou compressé, et on n'est pas en train de faire un zoom. Hein. Donc il faut rassurer les gens. C'est rien du tout, c'est un langage. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, allez, poussez madame, poussez, ça va bien se passer. Tout va bien les cocos. C'est rien du tout, mais voilà, il fallait qu'on le sache. Et sur toutes ces consoles qui sont annoncées 4K sont donc en 3840, mais on va dire que c'est 4K. Mais au cinéma, c'est du vrai 4K ou du vrai 2K, parce que c'est le secteur pro. C'est une toute petite différence, mais au moins maintenant les choses sont dites. On va passer au HDR, parce qu'ils vont souvent les uns avec les autres. C'est-à-dire que là, maintenant, quand on s'équipe, on a envie d'avoir une télé 4K HDR. Ouais. Donc, il y a la définition d'un côté et le HDR qui n'a rien à voir, qui est lui plutôt sur le rendu des couleurs, etc. Ouais. Mais il y a plusieurs normes de HDR. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors, est-ce qu'on a le droit de dire des gros mots dans ton émission ? Allez, pas trop, mais un peu. C'est le gros bordel. Ah ouais, non, mais c'est clair. Alors d'abord, je sais pas, on va peut-être expliquer rapidement ce que c'est que le HDR, c'est un peu comme en photo. C'est en fin de compte, le HDR en vidéo, c'est obtenir un maximum d'amplitude entre ce qui est sombre et clair. C'est-à-dire qu'avant, on s'est rendu compte que, par exemple, vous avez un coucher de soleil, et ce qui était devant le coucher de soleil, bah, vous allez voir que c'est enfoui, il y a une sorte de contre-jour, on voit pas tout à l'intérieur, le soleil, il y a des sortes de variantes de couleurs, c'est très bizarre, donc ça, c'est sans le HDR. Avec le HDR, l'image actuellement, la vidéo, où on peut voir une différence avec une photo prise HDR ou sans HDR, le HDR, bien sûr, c'est en bas, et, sans HDR, c'est au-dessus. Mais alors là, justement, excuse-moi, je t'interromps, mais souvent, on voit ce genre de démo, même dans les boutiques et tout, c'est avec un truc qui balaye l'écran et tout, et on a l'impression qu'on nous prend un peu quand même pour des gogos, parce qu'à chaque fois que je vois une image censée être sans HDR, j'ai l'impression de voir une image des années 70, quoi. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de résolution, il n'y a plus de contraste. On nous prend pas un peu pour des gogos, quand même. Mais le truc, c'est comment tu veux... on nous prend pour des quiches, mais si tu veux, quelque part, comment tu veux, dans un magasin où les gens sont de passage, où il y a de la lumière partout, où les gens sont censés être en train de faire leurs courses, leur faire une démonstration pointue? Si tu veux expliquer aux gens, il faut faire le truc le plus grossier possible. Comme avant, quand on faisait la différence entre ce qui était standard et Full HD, on grossissait le trait. On mettait d'un côté des pixels de merde avec l'impression de regarder un plat de lentilles. Les mecs étaient là, putain, mais c'est ça chez moi. Et l'autre côté, t'as le truc hyper nickel, tu vas super chiadé. Il faut grossir le trait pour que les gens soient captivés. Si tu mets que des petits détails. C'est comme Photoshop pour les mannequins. Bon, nous, on n'en a pas besoin. On est top, on a des belles lunettes, on a des beaux cheveux, moi aussi, trop fort. Non, mais le truc, c'est que... Alors, on va résumer les choses. Je pense que, dans toute sincérité, on peut vraiment vivre sans le HDR. C'est-à-dire que, en effet, on est habitué depuis des années, nous tous, à regarder des images sur les téléviseurs ou en vidéoprojection, qui sont vachement bien. Par contre, il y a un truc qui était inévitable, c'est que l'industrie, c'est-à-dire la production, le cinéma, les jeux et autres, vont vraiment se mettre au HDR de tous les côtés. Donc, ils seraient cons de pas en profiter, tapons pas les blaireaux. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que inévitablement, le HDR va s'installer. C'est-à-dire que inévitablement, même sans le savoir, on va avoir des contenus HDR, on va avoir des téléviseurs qui ont HDR, mais en effet, il y a plusieurs types de HDR. Il y a le HDR classique, 10, il y a le 10+, voyez-vous bien, le 10+, c'est Panasonic plus la Fox, notamment. Il y a après le Dolby Vision, qui est le HDR haut de gamme, plutôt pour le cinéma, avec vraiment en temps réel, on calcule les choses et autres. Il y a le Hybrid Log Gamma, c'est le HDR pour les émissions télé en direct, c'est-à-dire c'est un contrôle en direct. Le Betamax, le machin, le HD DVD, le Blu-ray. Mais les gens, de toute façon, qu'on soit clair, les gens, c'est nawak, ils sont paumés. Même nous, les professionnels, on essaye de piger. Quand on voit les normes arriver, on dit t'es n'importe quoi, comment veux-tu qu'on va piger? Et si tu veux, quelque part, actuellement, en plus, HDR, c'est un terme générique
qui dit voilà, ton téléviseur peut faire certaines choses. Alors après, toutes les normes qu'à l'intérieur, à mon avis, il y a LG notamment qui a les téléviseurs qui sont OLED, qui peuvent tout faire. Ils sont HDR, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma, Technicolor HDR, c'est le cinquième. Il n'y en a pas quatre, il y en a cinq. Mais ce que j'encourage aux gens, c'est d'aller à la simplicité. Actuellement, c'est vrai que si on veut un téléviseur, je pense qu'actuellement, il faut taper vers un modèle Ultra HD qui soit en effet compatible HDR, parce qu'après, on peut toujours upgrader et autres. Oui. Il ne faut pas se priver de ça. Non. Voilà. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est con. Il y a le mot dedans. Hein. On est paumé, mais il serait, entre guillemets, con de ne pas en profiter et pas essayer de s'équiper pour l'avenir. Parce que ça va débouler. Vous voyez, Netflix, HDR. Mais il y a des télé 4K qui n'intègrent pas le HDR ? Elles le sont toutes maintenant. Avant, il y en avait, oui. Ah ouais ? Il y en avait. Peut-être sur les plus bas prix, peut-être. Ouais, mais il faut faire gaffe parce que justement, il y a les soldes en ce moment, il y a le Black Friday. Ouais. Oh, je pense qu'on va essayer on va en parler tout à l'heure. Ouais, essayez peut-être, Julien, tu vois, de virer des vieux stocks. Et peut-être dans les vieux stocks de téléviseurs, il y aura des trucs qui ne sont pas HDR. Bien sûr qu'on peut acheter, les gens n'ont pas tous des millions à foutre dans le téléviseur, je comprends ça. Moi, je suis fauché la moitié de l'année, donc je piche les trucs. Mais non, mais qu'on soit clair. Je voyage, je me fous tout mon fric dans les voyages, donc j'ai plus de thunes. Mais le truc, c'est que si on peut, les gens qui nous regardent, maintenant, il faut penser ultra HD et HDR. Si on peut, il faut penser à venir parce que ça va débouler. C'est une norme qui s'installe de plus en plus à Hollywood, qui s'installe en télévision, en post-prod. Donc, ça va arriver. Les Blu-ray ultra HD, je vais en balancer peut-être quelques-uns qui sont ici. Voilà, j'ai le Terminator. Le Terminator 2 qui est en Blu-ray Ultra HD, qui sera en vente, je pense, dans un mois. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Bah, le logo HDR, en gros. Et c'est la première fois que vous verrez ce film avec un étalonnage de HDR. Donc, ça va. Moi, je trouve que le HDR, au-delà même de la définition, apporte quelque chose, en tout cas dans l'univers du jeu vidéo, qui parfois est plus saisissant. C'est-à-dire des couchers de soleil qui deviennent vraiment flamboyants. Là où la définition, je trouve que dès que tu te recules de ta télé ou si tu n'as pas une grande diagonale, tu vois, Julien, pas forcément de fou la différence. Julien et tout le monde, tu as vraiment analysé la chose de A à Z. C'est-à-dire que les gens, la définition, c'est pas qu'ils ne la ressentent pas. Quand on arrive à un certain point, que l'image est propre, entre guillemets, on dit l'image est définie. Par contre, le HDR va faire toute la différence et vous apporter une colorimétrie, surtout une profondeur d'image qui est liée justement à cette amplitude de contraste entre ce qui est sombre et qui est clair, qui va, vous péter à la gueule. Ouais. C'est comme le son en mode linéaire ou bien si vous mettez un loudness. Ok, le loudness est un petit peu faux. Le HDR, on ne peut pas dire qu'il soit toujours juste. Il est un peu faux, il pousse un peu les choses, mais tu t'en prends plein la gueule parce que tu dis « Waouh, la pelouse, on dirait que le mec a fumé tellement elle est verte, c'est génial. » En fait, c'est le Instagram de la télé, quoi. Ouais, mais avec un contrôle qui est fait en post-prod par des professionnels qui est censé correspondre à notre vision humaine. Parce que figure-toi que ce qui est cherché actuellement chez les fabricants, pour tout, hein, pour les moniteurs LCD, pour l'OLED et autres, c'est qu'on se rapproche le plus possible de notre vision humaine, ce qu'on avait du mal à atteindre encore avec les technologies il y a 5-10 ans. On se dit, voilà, l'œil est capable de ça, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire des produits qui sont capables de faire la même chose que notre œil ? Et tout est fait, justement, avec le HDR, la définition ultra HD, ce qu'on voit en salle de cinéma avec le Dolby Vision et autres, pour s'approcher de ce que l'on est capable de ressentir. Même chose pour l'audio avec la ARS, avec la qualité CD, on essaie de s'approcher de nos performances humaines. C'est ça qu'est la technologie, c'est qu'elle devient totalement humaine pour ce secteur d'activité. Et est-ce que tu crois, Pépé, que dans un avenir plus ou moins proche, les différents constructeurs, etc., vont réussir à stabiliser une norme, s'entendre sur une norme et qu'on arrête comme ça, parce qu'on se dise pas « j'ai acheté mon téléviseur et en fait c'est foutu parce qu'il y a le HDR12 là, qui vient de sortir et je ne l'ai pas ». Alors, tu sais qu'il y a un truc par rapport au téléviseur qu'on avait avant, il y a maintenant les upgrades. Voilà. Les téléviseurs sont connectés. Donc, si les fabricants tentent, bien sûr, d'intégrer la possibilité de faire un upgrade du software, ça fait que tout ce qui n'était pas HDR avant, si vous voulez, les téléviseurs qu'on peut acheter et qui sont malgré tout connectés et qu'on a acheté quelques années, on va pouvoir essayer d'améliorer certaines choses, mais si c'est la dalle… C'est que software, en fait. Il n'y a pas que le software, il faut bien sûr que la caractéristique de ce qu'on appelle la dalle, c'est la dalle LCD ou la dalle OLED, il faut qu'il soit capable de passer ce que veut l'électronique. Parce qu'attention, il peut y avoir un téléviseur qui est marqué HDR, si derrière ça ne suit pas au niveau de l'électronique et de la dalle, vous allez avoir un effet limité. C'est pour ça que le téléviseur, il y a des différences entre les modèles à 3000 euros et ceux qui sont à 500, c'est qu'en effet, derrière vous avez un traitement. Je vais vous en parler, tout à l'heure. Ouais, c'est que vous avez derrière la possibilité technique elle-même de la dalle. C'est-à-dire la dalle, c'est où se forme l'image, et l'adressage de la dalle et l'électronique derrière. Il faut que tout soit cohérent, d'où les différences de tarifs. Donc, il faut essayer, bien sûr, actuellement, de prendre, je reviens sur mes mots, mais
de se dire que si on doit investir, pensons à l'avenir parce qu'ils vont nous en mettre plein la gueule. Et plein la gueule, c'est quoi les programmes HDR? C'est du Netflix en 4K, c'est Amazon Prime en 4K. Vous serez frustré dans 2 ans quand vous verrez que la plupart des programmes sur Netflix ou Amazon sont en 4K HDR, que vous avez un téléviseur, vous avez raté le coche. Il vaut mieux essayer de prévoir parce qu'ils vont vraiment foutre la gomme, je peux vous le dire. Ils vont foutre la gomme parce que c'est un marronnier. Plus que sur les contenus en 3D? Bah, la 3D, là, je vais être très franc. Ouais. Moi, la 3D en grand public, j'y crois pas. J'ai jamais cru depuis le début. Ça fait dans le monde de l'électronique, Julien et tout le monde, parce que là, je parle à tout le monde, Julien, dans le monde de l'électronique, ça fait depuis 50 ans qu'on essaye de nous balancer la 3D. Il y a eu les lunettes avec les deux couleurs, il y a eu machin. Ça fait, et là, ça faisait la 4e fois qu'on essayait la 3D dans le grand public. Ça fait 4 fois que les gens disent « Allez chier, nous, on n'en veut pas parce qu'on a des lunettes. » Excusez-moi, je suis vulgaire. J'ai tellement soupé d'essayer de défendre le truc, de dire « Mais arrêtez avec votre truc, les gens ne veulent pas se retrouver à 4 sur un canapé pendant 3 heures avec des lunettes 3D sur la gueule. Ils n'en veulent pas. Arrêtez. » Au cinéma, c'est bon, tu prends ton truc, tu repars avec, t'as tes lunettes dans ton sac. C'est un peu emmerdant aussi, hein. En tout cas pour quelqu'un comme moi qui a des grosses lunettes, mettre une surcouche dessus, c'est… Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que les gens aimeraient, tu vois, Julien, qu'il y ait de la 3D dans une salle de cinéma sans avoir le moindre artifice sur la gueule. C'est-à-dire de la voir naturellement, une sorte d'hologramme. Là, ça marcherait. Mais tant qu'il y a des lunettes, je me suis dit, ça marchera pas. Et ça a foiré. Je veux dire, les fabricants ont essayé. Ils se sont rendus compte dans les enquêtes consommateurs que c'était juste catastrophique. Les gens mettaient les lunettes une fois et balançaient ça. Donc, ils ont arrêté d'en faire. Par contre, au cinéma, ça continue à tourner. Hier soir, j'ai vu Justice League 3D en Dolby Vision, Dolby Atmos. C'est vrai que pendant 1h40, j'ai trouvé ça bien, mais je comprends que des gens soient allergiques. Je pense que tant que ça ne sera pas naturel, sans un instrument, les gens n'en voudront pas. Mais c'est personnel, ça n'engage que moi. Je partage complètement ton opinion là-dessus. Le public sera beaucoup plus sensible à une belle image avec des couleurs, avec une belle définition du HDR qu'à de la 3D. Parce que ça sera plus naturel. Ils n'ont pas d'instrument devant eux, à part le téléviseur ou le vidéoprojecteur. Je suis 100% d'accord avec toi. On a parlé 4K, on a parlé Ultra HD, on a parlé HDR. Eh bien, vous vouliez d'autres termes bizarres? Eh bien, en voici un autre. OLED. Alors, ça y est, on commence à en entendre parler un peu de partout, un etc. Peu. Oh là là. Un peu beaucoup. Alors déjà, il y a le AMOLED et le OLED. C'est quoi la différence? L'AMOLED, c'est une autre façon de dire que c'est de l'OLED. Ça devait être très technique. On va dire que l'AMOLED, on réserve pour les smartphones, petite taille. D'accord. Voilà, et les téléviseurs. Parce que c'est matrice active ou matrice passive. AMOLED, c'est Active Matrix. Et PM, Passive Matrix. Et l'AMOLED, c'est de l'OLED aussi. Mais c'est d'autres façons, c'est d'autres termes utilisés. Ça, c'est encore un abus de langage. C'est plutôt pour les smartphones. Oui, mais c'est un abus de langage. Les deux, c'est de l'OLED. C'est une façon de séparer l'Église et l'État. D'un côté, vous avez les petites tailles et les grandes tailles. Voilà, alors, l'OLED. Est-ce que c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la dalle de téléviseur? Oui, je crois qu'avec un peu d'amour, on peut changer le monde. Bon, alors, le truc, c'est... Attention, tu veux faire du Jérôme Bonaldi. Ah non, mais je suis incapable de faire Jérôme, je n'ai pas son talent, moi. Alors, le truc, c'est qu'on va séparer les choses. Les gens, globalement, les gens qui te regardent, les gens qui me regardent, qui regardent les médias, on connaît vachement bien le LCD. Le LCD, on a du recul sur le LCD. Ça fait des années qu'on l'utilise, on sait comment ça fonctionne, on connaît ses qualités et ses défauts. Le LED est arrivé comme le successeur du plasma. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le plasma, c'était un affichage qui était considéré par les cinéphiles comme le meilleur. Je vais expliquer clairement la différence entre les deux. Ça sera dit et bien dit, j'espère. La différence entre le LCD et l'OLED tient normalement en un point, le point principal. D'un côté, le LCD, on doit avoir un rétroéclairage, donc une lumière derrière la dalle pour rétroéclairer le LCD, comme une diapositive. L'OLED fabrique sa lumière et ses couleurs tout seul. C'est pour ça que le LED peut faire 2 mm. Il n'y a pas de rétro-éclairage. Donc, en effet, l'avantage premier de l'OLED, c'est qu'il s'auto-suffit et qu'il peut faire un noir parfait. Absolu. Il a un contraste absolu, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est l'infini. C'est-à-dire que tout simplement, en fait, le pixel s'allume ou s'éteint. Sans avoir une notion de rétroéclairage, ce qui est absolument impossible à avoir avec le LCD qui nécessite un rétroéclairage même par zone. C'est-à-dire si vous coupez une zone, il y a toujours un morceau de la zone d'à côté qui est allumé qui va venir éclairer les autres pixels à côté. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait
un rétroéclairage par pixel du LCD, autrement c'est impossible. Et c'est pour ça que l'avantage et l'inconvénient du OLED par rapport au LCD, c'est qu'il n'y a pas ce petit effet des noirs qui peuvent être un tout petit peu gris ou de rémanence ou de halo autour des pixels. Quand on est dans une scène noire, elle est totalement noire, quoi. On ne voit plus le téléviseur. C'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans une pièce noire, vous mettez un noir sur l'OLED, vous ne savez plus où est le téléviseur. Vous n'avez même pas un grisé, vous n'avez rien du tout. Vous ne savez plus où il est dans la pièce parce que c'est le noir est complet. Donc, si le noir est complet, ça veut dire qu'il y a les couleurs qui vont être bien sûr rehaussées par ce gros contraste. Et vous avez surtout avec l'OLED un angle de vision maximum. Pourquoi ? Parce que l'image se forme directement par l'OLED. Quand vous avez du LCD, vous mettez sur les côtés de l'image, vous verrez que l'image est différente sur les côtés. Elle devient grise. Le LED, vous pouvez avoir 90 degrés autour de l'OLED de chaque côté. Vous verrez la même image que vous êtes à un bord de l'OLED. Et c'est impossible avec le LCD. Par contre, le LCD est beaucoup plus lumineux que le LED. Pourquoi ? Parce qu'il y a le rétroéclairage. Des tas de trucs comme ça. Le LCD, la dalle ne marque pas. Elle ne peut pas marquer. Ah oui. Alors ça, c'est justement dans les... Là, on a pas mal parlé des qualités du LED, mais il y a quelques défauts qui viennent... Enfin, qui sont un peu les mêmes que le plasma, en fait, en son temps. Ce sont les mêmes. Ouais. Ces fameuses brûlures. Ce qu'on appelle les brûlures à l'écran, c'est pas le truc qui prend feu, hein. C'est qu'il peut avoir un petit marquage si vous avez, par exemple, je sais pas, un logo d'une chaîne qui reste constamment, etc. Ça, c'est net, marqué. Là, voilà. C'est un peu embêtant, ça, quand même. Je vais expliquer les choses aussi. Je suis un mec franc. Tu me connais, toi, Julien. Je dis des choses comme ça. Tu es là pour ça, justement. Ouais. Alors, faut savoir que nous, les journalistes, le problème que l'on a, parce qu'on a un problème, c'est que autant les mecs comme moi qui sont dans la profession depuis 20 ans, on a un recul gigantesque sur le LCD. J'ai vu la naissance du LCD, je sais comment ça fonctionne, j'ai visité plein d'usines, je sais comment fonctionne le LCD. L'OLED, on a super peu de recul. On a été pas vraiment invité dans les usines pour qu'ils fabriquent de l'OLED parce qu'il n'y en a qu'une au monde et c'est LG Display en Corée. Ils n'ouvrent pas vraiment leur porte. Et nous, même quand on teste un téléviseur OLED, qui peut dire ce qui va se passer dans les 10 ans du téléviseur parce qu'on n'a pas encore le recul. On sait que le marquage existe. Mais il y a des techniques, les mêmes que le plasma, de démarquage de la dalle. Les fabricants les connaissent. Je vais expliquer simplement comment ça se passe. Si vous avez une dalle qui est marquée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez, même quand la dalle peut être éteinte ou vous avez un noir, une histoire de marquage d'un logo, par exemple 01net ou BFM ou M6 qui peut rester marqué. Il y a des modes qui permettent, par exemple, pendant une nuit entière, ils affichent des mires et à ce moment-là, on va bouger l'image de 0,5 pixel, d'un pixel en permanence pour démarquer la dalle. D'accord. Ça fonctionne quand même correctement, donc on trouve des parades. C'est pas un marquage qui est définitif, du moins on l'espère, mais encore une fois, notre problème, et je suis franc avec vous, je n'ai pas le recul de 10 années sur la technologie pour jurer la main sur le cœur qu'il n'y a aucun marquage définitif. Parce qu'on ne peut pas vous le garantir. Les joueurs qui nous écoutent aujourd'hui le savent bien peut-être, en tout cas les joueurs un peu de notre génération, ceux qui allaient en salle d'arcade, souvent, rappelez-vous, sur les bornes d'arcade, on voyait en rémanence des scores de personnes ou des logos Sega, machin. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est ça qu'on appelle les brûlures d'écran, en fait. Le marquage de la dalle, c'est des marquages de luminophores. Ouais. Et le truc, c'est que les téléviseurs cathodiques, donc les CRT à l'époque, étaient très sensibles à ça. Le plasma était sensible à ça. Mais il faut voir qu'on parle de matériels qui ont donc 10-15 ans. Et entre-temps, les technologies numériques permettent justement un déplacement comme ça d'une image entre deux pixels pour faire revenir la dalle à elle-même, pour démarquer la dalle. Il faut voir qu'en même temps, tout évolue. Les téléviseurs OLED sont donc récents, mais l'électronique est récente. Le numérique appliqué à ces produits évolue vachement. Donc, on peut espérer que l'électronique vienne au secours, entre guillemets, du marquage de la dalle, puisque maintenant, on maîtrise vachement bien ce démarquage par un déplacement de pixels. Mais encore une fois, je ne peux pas, moi, Pepe Garcia, garantir la main sur le cœur. Oui, alors, il n'y a pas de marquage du tout, on peut l'enlever à chaque fois. Même sur les smartphones qui utilisent maintenant des écrans OLED, on voit Samsung, Apple commencer à dire « il peut avoir des petits trucs ». Mais Julien et les gens qui nous regardent, qui peut dire actuellement qu'une technique ou une technologie n'a aucun défaut ? Tout ! Le LCD a un défaut aussi, le rétroéclairage crève à un moment donné, je veux dire, les lumières s'arrêtent, il y a des tas de problèmes aussi. Toutes les technologies ont des défauts. Et quand on prend une technologie, on a bien sûr le risque de les retrouver. Donc un vidéoprojecteur a des défauts, c'est comme ça. J'estime qu'actuellement, moi en tant que cinéphile, l'OLED est la meilleure solution qui soit, puisque c'est celle qui a un noir parfait. C'est l'équivalent du Dolby Vision en salle, quoi. Je veux dire, c'est un noir rationnel, avec des couleurs qui sont hyper... Clairement, quand on a un écran LCD d'un côté, même un bon LCD, hein, et un OLED,
On voit quand même l'impact et la profondeur de l'image apportée par le OLED. Alors, cela dit, il y a un autre défaut, mais là qui est plus lié, on va dire, à la nouveauté de la technologie et à son avance aussi, et le fait que ce soit LG qui, globalement, le tienne bien, c'est son prix. C'est sensiblement plus cher que le LCD actuellement. Est-ce que tu penses qu'on va commencer à avoir des OLED qui vont passer sous la barre des 1000 euros, qui est une barre un peu symbolique, dans un avenir pas trop lointain? Alors Julien, c'est la bonne question. Je suis étonné que tu ne m'aies pas encore parlé du QLED de Samsung. Je pense que c'est j'allais te dire justement les autres formats compétiteurs qui ne sont pas du OLED, mais juste après. Sortent les dents, c'est bien. Alors, j'ai eu la chance récemment d'assister à la première conférence de presse LG Display à Munich. D'ailleurs, il y a une vidéo sur, je fais un petit peu la promo, hein, sur Zero1Net qui traite de ça, qui a eu beaucoup de succès. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que pour le moment, ce qu'on a vécu depuis des années, c'est qu'il y avait un fabricant de dalles OLED pour le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, tout à fait, toute marque. Ça paraît dingue quand même. Les autres n'ont pas senti le coup. C'est pas ça, Julien. C'est que la maîtrise de la fabrication d'une dalle OLED, c'est juste, les Anglais diront, a pain in the ass. C'est hyper compliqué. Ça fait mal au derrière. Voilà, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser la fabrication sans rebut. C'est-à-dire que si une chaîne de production a 5% de rebut toutes les heures, c'est plus rentable. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a un pixel qui déconne, il faut refaire entièrement la dalle. C'est-à-dire voilà. Donc, quand on a une dalle de 8 millions de pixels, vous imaginez s'il y a un pixel qui déconne. Donc, LG Display a racheté la licence Kodak, qui est un des inventeurs de l'OLED. Et ils maîtrisent, mais ils sont limités en production. Et ils ont 20 marques qui les marquent à la culotte pour qu'ils aient des dalles. Donc, tant qu'il y avait une seule usine dans le monde, qu'elle s'appelait LG Display, ça peut pas avancer. Il y avait un seul constructeur et une seule usine. Oui. Alors effectivement, oui, tu comprends aussi que c'est soit cher. C'est fou. Ouais. Alors ce qui se passe, c'est que la conférence LG Display a montré une chose, c'est qu'ils allaient ouvrir une nouvelle usine de grosse capacité début 2018. Mm-hmm. Et qu'ils annoncent. J'imagine. Non, chez eux, en Corée. En Corée, à Busan, je crois. Bah, ils sont chez eux, ils maîtrisent, voilà, LG est très puissant, LG Display, c'est les rois du pétrole, hein. Et en 2020, ils annoncent une production qui sera 6 fois supérieure à celle qui est actuelle. Six fois. Aucun autre constructeur actuel, des Sony, des Samsung, etc., sur le marché de la télé, hein, bien sûr, n'a annoncé dans ses plans une ouverture d'usine OLED. Bah, alors, faut faire une différence entre les choses. Tu me parles de Samsung. Samsung fabrique de l'OLED, mais petite taille, pas pour de télé. On est sur les télés. C'est-à-dire qu'en effet, des gens vont me dire. Non, là, on parle de grande taille, c'est-à-dire au-dessus de 55 pouces. Ils sont les seuls à maîtriser. Il faut savoir que tous les autres fabricants sont clients de LG Display. Les Sony, les Love, Bang & Olufsen, Changhang, Hisense, tout le monde est client de LG, Philips et autres. Ce sont des dalles. Et après, la différence se fait sur l'électronique embarquée. C'est les mêmes dalles, il y a plusieurs générations. Il y a des marques qui vont, pour faire un prix un peu plus light, prendre une autre génération de dalles OLED. Okay. Les prix les plus élevés, c'est la nouvelle génération, justement le HDR et autres, parce qu'il y a des dalles OLED qui n'ont pas les performances, c'est-à-dire qu'on fait grimper actuellement l'OLED. L'OLED, le problème, c'est qu'on le dit qu'il n'est pas lumineux, qu'il ne tient pas le choc face au LCD, donc il pousse sur tout ça. Il faut savoir un truc qu'on résume également, puisque les gens qui vont nous regarder vont avoir besoin de cette information. Quand on dit que le LCD est quelquefois mieux capable de faire du HDR parce qu'il est très lumineux, ok, mais il fait moins de contraste. Donc, si vous voulez, l'amplitude entre il est très lumineux et le noir reste plus faible que celle de l'OLED qui est peut-être pas aussi lumineux, mais qui va tellement loin dans le noir qu'il a une super amplitude. Donc, tous les fabricants peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour le moment, je pense que, sincèrement, techniquement, sur le papier, pour le HDR et le noir, l'OLED est inattaquable. Parce que justement, j'ai mes amis, les share players, qui ont souligné quelque chose d'intéressant et je me documentais un petit peu. Je voyais que sur certains OLED, écrans OLED, en fait, comme il y a... Alors, pour essayer d'être simple, il y a un maximum de luminosité que la dalle peut atteindre à un moment donné et que du coup... Oui, en nits. Oui. Voilà, les nits, c'est l'unité de mesure, l'intensité de luminosité. Pardon. Et du coup, parfois, en fait, quand il y a, je sais pas, une source très lumineuse, le soleil qui apparaît dans une scène, tout le reste s'assombrit. Alors, oui, c'est des choses qui existent et qui existaient parce que je pense qu'ils sont en train de... Ah, mais c'est un peak limiter. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a un moment donné où tu es au peak de ce qu'il peut faire. Ouais. Et dans ce cas-là, le LED ne peut pas aller plus loin et freine des cas de fer. Mais c'est des choses qu'on voit de moins en moins. Encore une fois, je crois en une chose, et que les gens qui nous écoutent entendent, je crois en une chose, c'est que autant que ce soit le LCD ou l'OLED, les deux technologies sont encore
en progrès, surtout le LCD qui est tout récent, mais le LCD, pardon, l'OLED qui est tout récent, mais le LCD progresse également. Les deux progressent. C'est pour ça qu'il faut surtout pas. Moi, je suis contre les mettre face à face en permanence, disant oui, alors je pense que l'OLED va complètement exploser la le guerre LCD. Des écrans. Oui, là, mais moi, en tant que journaliste, j'ai du mal avec ça parce que je bosse avec les deux technos et je peux vous dire que ça fait des progrès gigantesques des deux côtés. Quand on voit des LCD qui font 6 à 7 millimètres, qui font des gros progrès, quand je vois la colorimétrie qu'on a maintenant, le ratio de contraste qui a progressé également naturellement sur ces produits, personne ne peut me dire ici que le LCD ne progresse pas. Il progresse encore. Bien sûr, on les sort. On sent que c'est les dernières gouttes qui sortent parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus tant qu'il y a un rétroéclairage. Mais ils font vachement de progrès parce que justement, ils savent qu'en face, il y a l'OLED, mais l'OLED, c'est un autre segment, c'est le premium. Donc, si vous voulez, c'est complémentaire. Il ne faut surtout pas péter la gueule ou péter la gueule à un ou à l'autre. Ils sont destinés à cohabiter pendant très longtemps et à progresser pendant très longtemps. Alors justement, tu l'évoquais, la concurrence du coup du LCD se bouge un petit peu. Et il y a donc le OLED, chasse gardée, on va dire, un peu de LG, qui donc fournit aux LG autres. LG Display, hein. Et puis, alors, par exemple, il y a d'autres formats. Par exemple, on a entendu, et, enfin, il y a Samsung qui a présenté le QLED, alors qu'il n'est donc pas du OLED. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est similaire? C'est pas similaire? Alors, c'est une question que tout le monde se pose, et moi, j'ai mes réponses là-dessus. Donc, alors, le QLED, c'est du LCD. C'est ça. Non, mais d'abord que les gens sachent une chose, ça c'est très sonne important. OLED, mais c'est pas OLED. Voilà, il faut que les gens sachent une chose, c'est que même quand des grandes surfaces ou des fabricants vous parlent de téléviseurs LED, LED, ça n'existe pas ça, un téléviseur LED, c'est du LCD. Et le LED, c'est la lumière qui est derrière. C'est comme si vous disiez une voiture avec des roues. On sait qu'il y a des roues, je veux dire, c'est bon, je veux dire, c'est pas, on achète une voiture, on n'achète pas des roues. Ouais. Donc, ce sont des téléviseurs LCD. Et après, on travaille le rétroéclairage. On travaille la façon dont on fabrique les couleurs, mais ça reste une dalle LCD. Le QLED, c'est le quantum dots, ce sont des points quantiques. Alors le point quantique, on va le faire très très bref, le point quantique permet d'avoir une précision des couleurs, c'est comme un élément chimique, je ne sais même pas comment le dire de façon très claire, c'est comme un élément chimique qui réagit vachement bien au passage de la lumière, qui permet d'avoir une couleur qui prend une tonalité au passage de la lumière, une couleur très pure, très, très, enfin, c'est très vivant. Donc le QLED est une façon pour Samsung de dire, voilà, nous, on a une technologie qui permet d'avoir une grande plage colorimétrique. Hein, voilà, c'est une référence sur LCD. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau, Julien. Quand, il y a 3-4 ans, Sony parlait de Triluminos. Le Triluminos de Sony, c'était déjà des quantum dots. Et deux fabricants donnent des noms différemment à une technologie qui existe depuis un petit moment. L'idée, c'est d'arriver à rétroéclairer. Pardon ? C'est du marketing, hein, ni plus ni moins, c'est ce terme. Et c'est ce marketing qui paume les gens. Marques qui disent voilà un téléviseur LED. Non, Coco, c'est pas du LED, c'est un téléviseur LCD avec un rétroéclairage derrière. Et tous ces termes sont faits pour que les gens, il y a des messages qui rentrent dans la tête. Le problème, c'est qu'il y a trop de messages qui rentrent dans la tête et les gens sont paumés. Donc, le QLED, c'est du LCD avec un rétroéclairage LED et avec des quantum dots, donc des petites boîtes quantiques. Quand elles vont prendre la lumière, elles vont avoir un meilleur rendu de la colorimétrie, beaucoup plus violent. Donc, la plage colorimétrique sera, le volume colorimétrique sera boosté. On sera plus proche du fameux, voilà, on peut dire, tu sais, comme dans les moniteurs, est-ce que tu as le volume sRGB? Il y a 97% du volume NTSC. Voilà. On peut dire que sur le papier, ça pète la gueule, quoi. Je veux dire, tu as l'impression donc, que ça marche bien. Enfin, c'est pas juste du blabla bullshit marketing. Quand tu compares à un OLED, par exemple, il y a une vraie différence ou à l'œil d'un humain normal, genre moi, qui en plus porte des lunettes, je vais voir une différence de fou ou pas? De toute façon, Julien, à un moment donné, quand tu es dans des produits qui sont à 1500 boules, 2000 boules, 3000 boules, tu fous un à côté de l'autre, et c'est des grosses marques, genre justement Samsung, LG, Panasonic, Sony, tu vas avoir des différences dans ce que tu peux faire au niveau de… Je sais même plus comment terminer. Quand tu vas faire des mesures, tu vas avoir des différences. Mais si tu mets vraiment de façon placide un QLED à côté d'un OLED, moi, je vais voir la différence. Je suis un professionnel, c'est le ratio de contraste. Ça va me péter à la gueule tout de suite et je vais dire, bah ouais, le côté, tu as un noir et tu vas te mettre sur le côté, tu vas voir que tu as un noir incroyable avec l'OLED. Mais le QLED s'en sort vachement bien. Des gens diront que oui, ça vaut pas l'OLED. C'est difficile d'arriver à comparer des trucs qui sont déjà en train de progresser comme des fous par rapport à les téléviseurs qu'on avait il y a 10 ans. Ouais. Si je te mets un téléviseur d'il y a 10 ans à côté de ces produits-là, tu vas dire qu'on regardait des vieilles charrues tirées par des bœufs épileptiques. Donc, si tu veux qu'elle… Mais non. Non, mais c'est que j'ai imaginé ces bœufs épileptiques, Pépé. Et j'avais de la peine pour eux. Et donc, pour ma vie, Julien, télé.
Il faut que les gens se rendent compte du niveau de qualité auquel on est arrivé. Ouais. Déjà avec les sources, avec l'arrivée du Blu-ray, avec l'arrivée de l'Ultra HD, on est dans un niveau d'excellence incroyable avec tous ces téléviseurs. Pépé, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Moi, oui. Quand je vois les jeux aujourd'hui, quand je vois l'année 2017 qu'on vient de vivre, qui est tout simplement un cru historique, et quand je vois encore des gens faire « ouais, bof, ouais », je fais « waouh, les gars, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, réveillez-vous, quoi. C'est incroyable. » Vous vous rendez pas compte des matériels auxquels on a accès, même des produits maintenant à 600 euros en LCD. Il y a des produits à 600 euros qui sont HDR, peut-être entre guillemets en fin de gamme, c'est-à-dire ils sont sortis il y a 6 mois ou 9 mois, ce qui est beaucoup pour les téléviseurs, et qu'on a des images 1000 fois plus nickel qu'un produit il y a 4 ans. Donc on est déjà dans un niveau d'excellence. Alors moi j'ai du mal à mettre dos à dos des technologies. C'est vrai que j'ai expliqué depuis le début la différence première pour moi de l'OLED, ça reste son ratio de contraste naturel. Attention, c'est-à-dire que naturellement, il fait 1 million sur 1, c'est-à-dire sans circuit électronique qui pousse derrière, sans j'essaie de t'éclairer ou pas. C'est-à-dire que lui, naturellement, il fait du 1 million sur 1. Ce dont est toujours incapable n'importe quelle technologie LCD tant qu'elle ne sera pas émissive. C'est-à-dire que là, bien sûr, Samsung travaille sur une façon d'éliminer le rétro-éclairage du LCD. Ce qui, dans ce cas-là, changerait complètement la donne. Mais tant qu'on éclaire derrière, on aura la qualité et les défauts de l'éclairage. Mais j'estime que toutes ces marques, en plus, jouent un double jeu, parce que la plupart des fabricants qui utilisent l'OLED sont également des fabricants qui utilisent le LCD. Donc, imagine pour leur paroisse, comme c'est compliqué de dire qu'un est meilleur que l'autre. À part Samsung qui a dit clairement, nous, on ne fera jamais de OLED puisqu'on a le QLED. Voilà. Donc, c'est une guerre qui est fratricide. Donc, vu d'un point de vue journalistique, elle est d'autant plus ubuesque parce que c'est les mêmes. Coréenne aussi, visiblement. Parce que Samsung est coréenne, oui, parce qu'à la base c'est LG qui quand a. Même devenu, c'est quand même aujourd'hui la Corée est un peu le poumon de la nouvelle technologie dans le monde de la télé. Et la Chine, n'oublions pas que Hisense est le numéro 1 sur place en Chine. Ils fabriquent 30 millions de téléviseurs par mois. Donc la Chine, faut pas la mettre en dessous. C'est que ça bouge de partout. Bien sûr, c'est l'Asie. Les Japonais sont très très forts pour le traitement vidéo. Ce sont les meilleurs pour le traitement vidéo. Un traitement vidéo d'un matériel Sony, Panasonic, c'est juste du délire. Ces traitements de vidéo professionnels utilisés à Hollywood. Et les fabricants de dalles, c'est vraiment les Coréens. Quand on pense que les Japonais se fournissent chez les Coréens, ça, c'est ubuesque quand on y pense. Mais ça, c'est des trucs qui intéressent peut-être pas les gens. Ce qui est important, c'est de leur dire aujourd'hui qu'en effet, ça bouge beaucoup, mais qu'on est en train d'arriver à une maturité réelle du LCD. Il est totalement mature. Il faut se tourner maintenant vers le HDR. L'OLED, ça va progresser encore. Les prix vont baisser parce que les usines s'ouvrent et que les fabricants sont en train de tirer les prix pour ça descendre en dessous de 2000, 1500. Moi, je crois à ça très fort, très, très fort. Vraiment. Pépé, est-ce que je peux te faire hurler une seconde? Est-ce que je peux te poser une question qui va t'énerver? Parce que je pense qu'on te la pose souvent. Non. Elle est toute bête, mais est-ce que c'est le bon moment de craquer à un moment où on entend déjà, et c'est la même chose sur les smartphones, etc., c'est « Ah, mais attends, il y a la 8K qui va arriver. tu vois, j'avais dit que je te ferais hurler. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'on attend ? L'éternelle question de la high-tech. C'est la question, la même chose pour les gamers, pour tous les gens qui sont passionnés. À chaque fois que tu as envie d'acheter un matos, tu vas sur Internet et tu te dis... Il y a déjà le prochain qui commence à être en rumeur. Voilà, tu te dis, bon, nawak les mecs, pourquoi je vais acheter vidéoprojecteur machin? Parce qu'il y a l'autre... Alors, si on part du principe, Julien, qu'à chaque fois on attend le suivant, on n'achètera jamais rien. On est bien d'accord. Alors, je tiens à mettre les choses mais au c'est point. C'est quand même des investissements qui coûtent cher, hein, une télé. Moi, j'en achète tous les longtemps. Ça coûte un putain de bras. Il faut super... Excuse-moi. Mais moi, je comprends les gens. Attends, autour de moi, je parle avec mes potes tout le temps et c'est mes meilleurs tests, entre guillemets. Je parle avec mes potes et je comprends. Moi-même, je te dis, je suis fauché. Et donc, quand j'achète un matos, je le réfléchis avant, quoi, tu vois. Et je me dis, mais c'est un investissement gigantesque, un téléviseur. Mais si on ne fait rien, on va toujours attendre une génération suivante. Alors, je vais être très clair sur ce que je pense actuellement. Oui, actuellement, il faut acheter un téléviseur ultra HD. Il faut essayer de le prendre HDR, si possible évolutif, donc qu'on puisse faire évoluer le HDR. C'est déjà une bonne base. Il faut savoir que la moindre box va vous lancer du Netflix dans peu de temps avec les programmes en HDR. Netflix est à mort sur le HDR actuellement et je pars justement en reportage chez eux dans peu de temps pour comprendre pourquoi ils en sont là et pourquoi ils veulent à ce point-là le HDR. Quand tu penses que Netflix dit je veux du HDR, que Amazon dit je veux du HDR, que iTunes dit je veux du HDR, qu'on me dise pas que ça va pas bouger. Donc sur les providers principaux, donc il faut répondre à ça. Mais le 8K. Alors le 8K, il faut savoir d'abord un truc important, Julien, ça existe dans le secteur professionnel depuis 4 ans.
On n'est pas en train de découvrir le 8K en secteur pro. C'est bah quoi oui, parce que moi, je me rappelle, alors j'ai pas la chance comme toi d'aller au CES tous les ans et d'être dans ma piscine à ce moment-là, c'est ton E3 à toi, mais je m'en rappelle y être allé il y a quelques années et j'avais déjà vu à l'époque des écrans 8K et je t'avouerais que je trouve que autant la 4K, moi, enfin, c'est un truc de débile, hein, mais je vois encore un peu les pixels quand je m'approche et tout, autant la 8K, j'ai été vraiment bluffé. J'ai vraiment trouvé que c'était quasiment comme une fenêtre qu'on ouvrait et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un saut. Plus que la 4K. Bah écoute, tout dépend de la diagonale de l'image, évidemment. Je suppose que tu as vu les modèles Sharp, qui étaient en plus des dalles. Hasard, c'est les seuls qui arrivaient à le faire. Parce que le problème d'une définition aussi élevée que ce qu'on appelle la 8K, c'est d'arriver à serrer des pixels dans une dalle sans que, avec le LCD, la dalle s'écroule. Parce que c'est des. Mais oui, parce que quand tu le mets à l'horizontale, tu as la pesanteur. Ouais. Et quand tu t'installes comme ça des millions de pixels enfermés dans des capsules qui sont du cristal liquide, quand tu vas relever la dalle et la mettre droite, c'est comme un immeuble. S'il est chargé, il va se casser la gueule. Donc, le truc, c'est qu'ils ont réussi. Et c'est vrai que c'est la vision humaine, oui. Au sens propre. Tu te mets devant la dalle, tu ne vois pas ce que moi j'appelle en vidéo la structure de l'image. C'est-à-dire que tu ne vois plus la structure. En 4K, en Ultra HD, tu ne la vois pas non plus. Tu la vois sur une grande diagonale, mais si c'est un vrai signal Ultra HD, capté en Ultra HD, avec un bon débit. Toujours la qualité de ce qui est diffusé, évidemment. De la captation, diffusion, traitement vidéo du téléviseur, traitement de la dalle, l'asservissement. Si tout ça est réuni, on ne peut pas dire qu'on voit 8 millions de pixels sur une diagonale de 50 pouces. Je suis désolé, ils sont super serrés. Il faut vraiment avoir la gueule dessus pour dire « Ah, je vois tes pixels !» Donc, par rapport à… Putain, on avait avant du 720p. On a un truc qui est 4, 5, 6, 10 fois plus défini. Qu'on ne dise pas que là, on est quand même quelque chose de très élevé. Alors, je vais mettre d'accord sur le 8K. Le 8K égale, pour le moment, secteur professionnel. Ça sert à quoi? Ça sert à faire des essais de captation en 8K. Et de faire après tu fais de la post-prod, c'est-à-dire quand tu captes avec une image les Jeux Olympiques ou autre, tu as besoin de les visionner, donc tu les visionnes en 8K. Oui, parce qu'on en parle beaucoup pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils seront en 16K. En 16K? Oui. C'est-à-dire qu'on va franchir le cap directement, bon, la 8K, on te laisse là, hein, vas-y, au revoir. En 16K. Alors, je vais expliquer pourquoi. Roland Garros était en 16K. Ah bon? Là, celui qui vient de diffuser. 16. J'explique pourquoi. Il y a caméras 16. Ouais, alors vas-y, oui. Pourquoi est-ce qu'on le fait sur des événements sportifs? Parce que quand tu as une image 16K, donc tu imagines la définition du 16K, oui. Tu peux faire des zooms 2K et 4K dans l'image sans perte, de n'importe quelle partie de l'image. D'accord. Ouais. Donc ce que font les mecs en post-prod, ils ont des moniteurs professionnels et la caméra 16K fait un plan large. Et eux, ils zooment à l'intérieur de l'image en temps réel à toute vitesse sans que vous, de l'autre côté, vous sachiez que c'est un zoom. Parce que vous avez une telle densité d'image, vous ne pouvez pas savoir. Et ça règle des problèmes techniques de dingue. On va faire des ralentis, on peut hop, directement intervenir, faire un zoom dans une image en temps réel sans qu'il y ait une déperdition au nombre de pixels. C'est gigantesque. Donc, on filme en 16, en 8 ou en 16. Alors, ça va poser la question de la problématique après des stockages. Hein, parce que pour un film ou n'importe quel contenu en 16K, j'imagine que c'est des gigas et des gigas et des teras. Quoi. Alors, le problème n'existe pas, ça, parce qu'on est toujours en post-prod. Là, il faut que les gens différencient la post-prod, c'est-à-dire ce qui fabrique les images, et nous, ce qu'on reçoit de l'autre côté. Pour le moment, le grand public n'est pas concerné par la 8K. Le Japon et le marché pilote. Et le Japon annonce des essais 8K en cours par la NHK. Et pour le public, il pense qu'il y a des téléviseurs qui pourraient arriver en 2022. Il y en a un qui arrive actuellement, mais qui est en secteur professionnel à 120 000 euros. Chez Sharp, justement. Il faut pas que les gens paniquent. Parce que si les gens commencent à paniquer en disant « J'ai la 4K, HD, et déjà, faut pas que je l'achète parce que j'ai la 8K », mais vous ne ferez jamais plus rien. C'est qu'il faut prendre par strates. Actuellement, on vous rendez compte, et ça, Julien, je tiens à insister là-dessus, on a des téléviseurs Ultra HD. Combien est-ce qu'il y a de gens qui nous regardent, qui mettent réellement de vrais signaux Ultra HD dedans? Alors, on a la chance, avec les gens qui nous regardent probablement, d'avoir un public plutôt de gamers. Et c'est vrai que les gamers ont un petit avantage parce que de plus en plus, on a des sources 4K. Pas encore énormément, mais c'est vrai que la Xbox One X propose de plus en plus de jeux en 4K, du monde PC de la 4K, et la PS4 Pro essaye parfois avec des petits upscales de la 4K. Oui, mais c'est vrai que pour le grand public, c'est plus léger. Alors, justement,
les téléviseurs, puisqu'on parle des téléviseurs, s'adressent vraiment au grand public. Et là, moi, quand je donne un discours, c'est un discours qui est global. Et globalement, les gens n'ont pas de source, ou utilisent très peu. Netflix ou autre, il faut avoir un débit juste malade pour arriver à avoir un 15 mégas ou un truc comme ça. Netflix dit qu'il peut réussir à moins avoir de l'ultra HD, mais tu as un taux de compression qui fait que tu vois les pixels. Ouais. Il faut du débit. Donc, tout ça, OK, moi, pour les gamers, mais à 2 milliards de %, d'accord, que ça a toujours été pour moi le gaming, un terrain d'expérimentation et technique et autre, parce que les mecs, ils sont véloces. Le début de la full HD, c'était vraiment dans le jeu vidéo où il y avait les premières grosses démonstrations. Mais affirmatif. Je veux dire, moi, j'étais en plein dans le cœur et j'étais super content de voir que ça bougeait au niveau du gaming parce que ça montre la voie et les mecs, ils sont à fond dedans puisqu'ils veulent la meilleure expérience possible pour jouer. Je comprends que les mecs, ils ont envie de voir de la def. C'est logique, mais là, on n'est pas dans l'option grand public général. On est avec des gens qui sont à la base. Moi, les gamers, je les considère comme des vraiment des passionnés de high-tech. C'est pour ça que dans les gens que je fréquente, il y a beaucoup de gamers et les mecs, on parle matos, on parle tout ça et c'est top cool. C'est ça, les gamers pour moi. Mais encore une fois, là, je parle global. Et global, les gens ont des téléviseurs chez eux, ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'upscaler une source en 1080p ou un truc en 720p. Ils ne le savent pas, c'est la box qui le fait ou le téléviseur. C'est de la magie. Ouais, putain, t'as vu mon image ultra HD par Netflix, machin. Oui, c'est quoi ton débit? T'as 4 gigas, t'as 4 mégas. Oui, non, c'est du 720p. Ton téléviseur travaille. Il fait des calculs derrière. Il fait des calculs, putain, pour avoir une image qui ressemble à quelque chose, mais qui rentre dans la lucarne. Donc, il faut y aller mollo, mollo. Je pense que tout ça est en cours. Il y a encore très peu de vraies sources. Il y a très peu de trucs. Je pense que tout ça, c'est work in progress et que l'avenir est vraiment à nous. Je pense que vraiment, ça va faire très, très fort dans les 2, 3, 4 ans à venir avec la chute du prix de l'OLED, avec le LCD qui va progresser toujours, avec de plus en plus de sources qui seront réellement ultra HD. Ça va aller maintenant de plus en plus vite. Mais on est encore, pour moi, j'estime que c'est encore la préhistoire. Globalement, on est dans la préhistoire. Mais on est dans quelque chose qui va naître. Justement, Pépé, j'ai une question vraiment là de béotien total. Genre, je ne sais même pas si on peut donner une réponse, mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des études médicales ou autres qui ont permis de savoir, nous, les humains, on voit en quelle définition? On sait ça ou pas? Pour savoir, alors, genre, s'il y a un maximum, quoi, à un moment où en fait, l'écran est exactement similaire à ce que l'œil humain voit. Alors, il y a eu beaucoup de mots qui ont été dit là-dessus, parce que c'est la question primordiale que tout le monde s'est posée dans la profession, que ce soit avec les gens qui sont dans le cognitif, des médecins, et puis toute industrie hollywoodienne également pour les écrans et autres. Et il y a Kodak qui avait donné des réponses. Et Kodak avait commencé à dire, mais c'était Kodak qui puis s'en fait attaquer en disant, oui, vous êtes tous, voilà, faut pas le dire. Kodak a estimé qu'une pellicule, justement, qui était en IMAX ou autre, correspondait à une vision qui était déjà très proche de ce qu'on pouvait arriver, et que la vision de l'IMAX pouvait approcher entre les 16 et 32K. Mais c'était ce qu'ils ont dit, et c'était déjà un truc pour l'œil humain qui était très proche des limites. Mais personne, je ne sais pas qui pourrait me répondre, parce que moi, je me suis renseigné. C'est une question que j'entends depuis des années, Julien. Et à chaque fois que je fais des voyages dans le monde entier, je vois des techniciens, je vois des mecs qui sont dans le cognitif, dans la perception de tous les sens. J'étais parlé avec les gens de Dolby il y a un mois. Justement, ils travaillent dans le Dolby Vision. Je leur ai dit, écoutez, les gens de Dolby, vous faites des tas de trucs, des matos, mais quelle est la limite de perception humaine? Et sincèrement, je n'ai jamais eu de réponse, du moins jamais la même. Donc, pensez bien, je ne vais pas m'avancer. Nous sommes des êtres humains fait de chair. C'est pas arrêté en tout cas, il n'y a pas encore quelque chose d'établi, de reconnu. Julien, comment veux-tu établir quelque chose par rapport à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains au niveau cognitif, perception, nos sens, parce que le reste ce sera que du matos qui va te dire, voilà, là tu as ta vision humaine parfaite, quand on voit ce qu'est capable l'œil humain, justement par rapport au contraste, notre iris et autres, mais c'est du délire, tout s'inspire de l'œil humain, quand tu vois les caméras et autres, c'est l'œil humain, mais force serait celui qui pourrait affirmer, là maintenant, je sais que l'humain c'est 25,5K, surtout que ça varie par rapport à tous les individus, comme l'audition. En plus, Pépé, je suis comme toi, hein. On est légèrement upscalé, nous, actuellement, avec nos lunettes. Hein. un traitement logiciel. Voilà, t'as un traitement logiciel. Donc c'est passionnant, tout le monde se pose la question. Le seul truc que moi je vois, c'est que ce qui est important pour les gens, c'est le confort. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces matériels, quels qu'ils soient, offrent un grand confort de vision. C'est-à-dire un truc qui ne fatigue pas l'œil ni le cognitif. Et c'est là-dessus qu'on bosse justement au cinéma, c'est là-dessus qu'on bosse avec les téléviseurs, qu'on essaie de limiter tous les effets d'arc-en-ciel avec les vidéoprojecteurs qui sont donc DLP, qui ont une roue qui codeuse et autres. Bon, les fabricants essayent, et ça je suis témoin, puisque je vis dans les laboratoires de recherche et développement, que justement ça soit de plus en plus confortable, les écrans OLED, un rétroéclairage mieux géré.
c'est le, moi je crois le confort prime, c'est-à-dire que ton œil soit pas fatigué par le fait de faire du gaming, de fait de regarder une image, voilà, c'est là-dessus que les gens bossent aussi énormément, que ce soit chez Dolby ou chez tous les fabricants. Confort et plaisir. Ouais. J'imagine aussi ouais, c'est-à-dire le que HDR, fois... etc. C'est aussi le plaisir ouais. visuel, voilà. c'est le festin de ce qu'on découvre. Oui, et tu sais comme moi, Julien, que les gens deviennent des boulimiques d'images. Ouais. Et les boulimiques, ça passe par « putain, il ne faut pas que notre œil soit fatigué, tiens, il ne faut pas qu'on soit fatigué de regarder le device, il ne faut pas qu'on soit fatigué crâne, de… » etc. Voilà, c'est pour ça qu'on augmente les fréquences quelquefois pour monter très très loin sur les écrans, les moniteurs, on va très loin dans la fréquence. Les vidéoprojecteurs maintenant, même en grand public, essaient de monter la cadence pour que l'œil se fatigue pas et calcule pas tout le temps en permanence qu'on est soit en 24p, ben le 24p on le fait monter plus loin pour que l'œil soit pas fatigué. Avant on avait une pellicule qui tournait, la pellicule on s'en fout, c'était pas électronique, la pellicule, l'œil il voyait une pellicule, il n'y avait pas de calcul à faire derrière. Maintenant avec le DLP, avec des micro-miroirs et tout le tremblement, il faut que ça soit très très rapide pour que le cognitif ne se fatigue pas. Donc tout ça c'est très passionnant parce que l'électronique est liée au cognitif, c'est un truc qui n'existait pas avant comme ça. C'est qu'on est, ça bouge de tous les côtés, c'est-à-dire les marques bossent avec des ORL, bossent avec des gens, et c'est du délire quand on connaît les coulisses. Ils veulent vraiment qu'il y ait un confort qui s'installe, et moi je suis totalement pour, et c'est pour ça OLED, LCD ça progresse, et moi je suis le mec le plus heureux du monde, quoi. Voilà. En tout cas, franchement, merci pour toute cette passion, Pépé, on la sent, et cette connaissance, là, vraiment, je trouve ça ultra intéressant. Et justement, avant d'aborder la conclusion, et peut-être que tu nous donnes quelques conseils de téléviseurs à choisir, peut-être ceux qui actuellement sont intéressants en fonction de la bourse de chacun. Il me reste deux petites questions. L'incurvé. On parlait peut-être un peu des modes tout à l'heure, la 3D, etc. L'incurvé est arrivé sur le marché il y a quoi ? Il y a 2 ans maintenant, il y en a eu partout. J'ai l'impression que c'est déjà sur le déclin. C'est sur le déclin parce que les gens n'achètent pas ou c'est sur le déclin parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose ? Les deux. L'intérêt limité. Bah écoute, le problème de l'incurvé, c'était un pari de l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie a dit, tiens, on va balancer l'incurvé. À la base, c'était plutôt pour la PAO, c'était plutôt pour les créatifs, c'est-à-dire qu'ils étaient devant leur écran et ils étaient plus immergés au niveau de la vision. Je vais revenir sur le grand public, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le grand public, l'incurvé, à mon sens, ça n'engage que le mec que je suis et pas mes confrères, l'incurvé n'est valable que sur un écran qui ferait 70, 80, 90 pouces. Parce que pour qu'on ait comme ça un angle de vision large, sans déformation de géométrie et autres, tu fais de l'incurvé sur un 40 pouces ou un 50 pouces, il n'y a pas tellement l'utilité. En télé, j'entends, en télé, je ne sais pas, dans la PAO ou la construction graphique ou un truc comme ça. Le problème, c'était la diagonale. Les gens achetaient des téléviseurs qui étaient incurvés, qui avaient des petites diagonales, ils voyaient pas la différence parce qu'ils se mettaient à 15 dans une pièce autour du téléviseur. Et fatalement, celui qui était sur les côtés, hé, oh, Nawak, moi, je vois rien du tout, les gars. Ouais. Bon, alors, donc, si tu veux, quelque part, ça a fait rêver les gens. Je crois que l'objet a fait plus rêver les gens que la réalité sur le terrain. Mais ça n'a pas un intérêt démentiel, en vérité. Pour ma part... C'est cosmétique, quoi. C'est esthétique. Certains ORL te diraient que c'est plus simple d'avoir un écran incurvé quand tu as des problèmes de vision, puisque tu rapproches les bords de ton œil. Ça fait que comme tu rapproches les bords de ton champ de vision, tu n'as pas un effort à faire pour qu'il soit net. C'était ça l'écran incurvé. Ça correspond à l'œil humain, où tu verras moins net si c'est loin. Alors tu rapproches le bord, tu vois, pour voir mieux. Mais ça, c'est sur des grandes diagonales. Pardon ? C'est un peu comme un livre. Dans l'absolu. Oui, c'est ça, comme un livre. Si tu mets les deux pages à fond sur un grand bouquin, tu vas toujours aller vers les bords pour le voir. Si tu rapproches, tu as moins de travail au niveau de la rétine. Donc, tu vois à quel point tout est lié à notre perception, à la façon dont l'être humain est foutu. Et l'incurvé, t'es pas une mauvaise idée à la base, mais seulement grande diagonale, les gars, pas des petits trucs. Ou alors, tu as la tête dedans, voilà. Mais j'y crois plus vraiment. Par contre, il y a un truc qui va arriver dans peu de temps dans les magasins ou ailleurs, c'est le concave. C'est-à-dire un écran totalement incurvé. Mais dans ce cas-là, c'est une application que j'ai pas encore trouvé pour ce que c'était. Et c'est dans le reportage que je viens de faire sur LG Display qui fait du concave. C'est-à-dire, t'imagines un arc de cercle complet. T'as la tête au milieu, la tête à l'ouette et t'es heureux là-dedans. Mais c'est plutôt pour les surfaces de vente ou de l'immersion particulière. Ouais. Mais on peut faire n'importe quelle forme avec de l'OLED, justement. C'est que tu peux le plier, tu peux le tordre, tu peux, puisqu'il n'y a pas de rétroéclairage derrière. Donc, tu peux en faire un bracelet, tu fais un collier de nouilles, si tu veux. C'est le bonheur dans la maison. Mais, voilà. Justement, tu parlais des tailles d'écran. La 4K, on est d'accord quand même pour dire que si on veut bénéficier de l'impact de cette définition supplémentaire, il faut quand même une taille d'écran raisonnable. C'est-à-dire que sur les petits écrans,
la différence par rapport à la Full HD va pas être phénoménale ou si? À partir de quelle taille vraiment on commence à sentir cet impact? Alors tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, et tu avais raison de le dire, ce que les gens voient en premier sur une image, c'est peut-être pas obligatoirement la définition, ce que j'appelle moi la petite cigarette qui est posée à 20 mètres derrière l'acteur. C'est pas ce que les gens vont voir, ils vont voir une colorimétrie. Quand tu rentres dans un magasin, n'importe lequel, et tu vois tous ces téléviseurs à la queue leu-leu, me dis pas que les gens voient la définition. Ils voient une luminosité, ils voient une colorimétrie. Oh putain, l'image, comment elle pète! Alors le comment elle pète, c'est pas la def, c'est oh la vue, les couleurs. Et puis alors, ils en font des tonnes et des caisses, dans, c'est qu'à le dire, dans les magasins, en mettant des images de fruits, légumes. Ah mais c'est picard quand tu t'en vas là-bas. Généralement, quand tu rentres chez toi et que t'as pas ces sources aussi bien définies, tu fais... C'est la même télé que j'ai achetée, c'est un peu bizarre. Quand tu vois un match de foot avec des pixels gros comme avec les joueurs qui saccadent, t'as l'impression qu'ils sont 15 sur le terrain alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est vers la balle, fatalement, tu te dis après, c'est pas ce que j'ai vu dans le magasin, ce qui est normal. Les téléviseurs peuvent faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut leur donner à manger. Mais le problème que j'estime, dont je parle depuis le début, c'est la source. Actuellement, on a des téléviseurs qui vont très très loin, on n'a pas toujours les sources pour leur filer à bouffer. C'est-à-dire que les trucs, soit on prend des trucs en streaming avec un débit dégueulasse, donc on trouve la définition est réelle, c'est-à-dire que la définition sera 1080p, mais tu auras tellement de pixels, tellement de rémanence, tellement de calculs de tous les côtés que tu vas avoir une image qui sera crachou à la fin. Donc toute une question de non pas uniquement le téléviseur, c'est qu'est-ce qu'on lui file à bouffer. C'est pour ça que moi je suis un défenseur à la base du Blu-ray, parce que tu vois, t'as un débit sur le Blu-ray qui est juste délirant. C'est supérieur à Netflix, ça c'est sûr. Mais c'est pas les mêmes codecs déjà à la base. Non. Donc Netflix s'adapte par rapport à ta ligne, à ce que tu peux avoir. Le Blu-ray va te balancer en Ultra HD, t'as des débits de 100 mégas à la seconde. En Ultra HD, 100 mégas seconde. T'imagines ce que t'as comme master derrière. C'est 10 fois plus que ce que fait Netflix. En gros. C'est 10 à 20 fois plus que ce que tu peux choper. Et en plus, t'as un codec, donc le HEVC, qui est un très bon codec. Et t'as une image où tu t'approches de l'écran, tu vois même pas une rémanence, même pas un pixel. Donc, toute une question de ce que tu peux mettre dedans. En disant, mon téléviseur, quelquefois, il y a des gens autour de moi. Oh putain, mon téléviseur, l'image est pas bonne. Je dis, mais qu'est-ce que tu mets dedans? Ah oui, tu mets ta box. Et essaye de mettre autre chose. Et quelquefois, je viens avec un lecteur. Et de Blu-ray, je leur mets dedans, je dis, voilà ton téléviseur, il peut, mais seulement le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas. Il ne nourrit pas bien. Mais non, mais les gens, ils ne sont pas millionnaires. Je veux dire, les gens, ils sont comme moi, ils sont fauchés. Ils ne sont pas millionnaires. Il faut acheter les disques, il faut avoir le matos. Le problème, c'est que tout ça coûte cher. Et on n'a pas tous le débit. Et je comprends les gens, je veux dire, quand ils t'achètent ta box, écoute, t'as le débit que t'as, et puis voilà, le téléviseur fait avec. Bien sûr qu'ils aimeraient tous avoir des lecteurs de Blu-ray, mais ça coûte une blinde. Donc le problème, c'est que les prix sont très élevés actuellement sur l'Ultra HD, et c'est très compliqué d'avoir un bon débit, et tout ça est lié. Donc tant que tout ça ne baissera pas, moi j'aimerais avoir des Blu-ray à 5 euros avec un lecteur de Blu-ray à Ultra HD à 50 euros. J'adorerais ça. Je trouve que ça serait génial pour les gens. C'est comme avoir une Ferrari, mais de pouvoir la faire rouler que sur une petite route de campagne bosselée, quoi. Tout n'est pas comme ça. La voiture est jolie, mais tu vas pas pouvoir découvrir à quel point ta voiture ou ta télé en a sous le capot, quoi. Disons que, par contre, il faut acheter le téléviseur. C'est-à-dire que le téléviseur, si on en prend un maintenant, il faut déjà en prendre un bon et savoir qu'au fur et à mesure que ça va avancer dans les mois et années à venir, tu vas pouvoir le nourrir de mieux en mieux parce que ça va progresser, les débits vont progresser, le prix des Blu-ray va encore chuter. Il faut pas hésiter à au moins s'offrir de temps en temps. Les gens qui me regardent, qui ont plus des consoles, faut pas hésiter de temps en temps à se faire plaisir, à acheter comme ça quelques Blu-ray pour bien nourrir son matos. C'est-à-dire, putain, je suis content d'avoir acheté le téléviseur, regarde ce qu'il sait faire. Mais parce que c'est l'impression, ça, Pépé. Et corrige-moi si je me trompe, que pour quand même avoir un ressenti assez fort de l'apport de la 4K, en dessous de 55 pouces, ça dépend où tu te trouves par rapport à l'écran. Mais, parce que la même chose, toutes les images sont belles à 20 mètres. Ah bah c'est les mêmes même. Hein. Mais toutes les images sont belles à 20 mètres. C'est-à-dire que les gens ont découvert, par exemple, quand tu étais au cinéma, tu voyais les films avant en pellicule, tout le monde disait « Oh là là, l'image, c'est génial !» Et puis, ils ont vu après les Blu-ray faits à partir des films. Ils ont vu qu'il y avait du grain. Mais je leur ai dit « Mais vous savez que les pellicules ont toujours eu plus ou moins de grain ?» Ah bon, j'ai jamais remarqué. Parce qu'en fin de compte, quand tu te recules au cinéma, la plupart du temps, t'as un grand écran, mais tu es quand même assez loin. L'image est toujours nickel. Et c'est quand tu te fous la tête sur un écran que tu vois un peu ce qui se passe. Et justement, plus tu vas resserrer les points, donc Ultra HD et peut-être plus tard le 8K, les points vont se resserrer et tu n'auras plus cette impression de t'approcher vers une image qui va être de plus en plus crachou. C'est ça l'évolution, elle passe par là, c'est…
Mais encore une fois, moi je suis pour les grands spectacles, mais il faut que les gens aient les sous, je veux dire, toute une question de fric. Je pense qu'en toute 50 pouces maintenant, en toute 55 pouces, le marché commence vraiment à 50 pouces. Et on s'est aperçu que les gens étaient prêts à économiser pour avoir un écran plus grand, et je les comprends, puisque les images sont de plus en plus belles, et dans ce cas-là, on a envie de profiter de quelque chose de panoramique, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 25 ans avec le cathodique. Voilà, c'est une logique. Je propose à tous ceux qui sont, alors en tout cas parisiens, ou qui prennent les moyens de transport, etc., un petit exercice, vous allez voir, assez rigolo, et qui permet de bien illustrer ces histoires de définition, de résolution, quand on se rapproche et autres. Regardez les pubs dans le métro. Regardez-les loin, elles sont propres, elles sont bien, etc. Et puis alors maintenant, approchez-vous, et vous allez voir à quel point l'imprimante, en fait, et la résolution, la définition est extrêmement mauvaise. Et c'est plein de petits points, vous allez voir même le RGB, les différentes couleurs, etc. C'est exactement comme sur votre téléviseur. Si vous êtes à 3-4 mètres de votre télé, vous avez une belle image. Et si vous mettez vos yeux sur la dalle, vous allez voir vraiment tous les pixels. C'est toujours la même chose, en fait. C'est inévitable, ça a toujours existé pour tout, de toute façon. Et il ne faut pas oublier qu'on regarde une image électronique. Donc, qui dit électronique, dit traitement électronique. C'est-à-dire que la différence par rapport à la pellicule, c'est ça. Et par rapport à tout ce qui était analogique, c'est ça. C'est qu'on a maintenant un traitement électronique. Donc, qui dit traitement électronique, soit il est bon, soit il n'est pas bon déjà. Et quand il n'est pas bon, il y a ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire qu'il y a du crachou, quoi. Il y a des pixels en plus, il y a du grain parce que le traitement n'est pas bon, ça peut être la source. Mais c'est très compliqué de parler de tout ça parce que une image n'est que le fruit de plusieurs étapes. Qui peuvent être également le choix d'un réalisateur de mettre du grain. C'est-à-dire que l'étalonnage peut être fait avec du grain volontairement. Et après, les gens vont regarder cette image. Ouais, putain, t'as vu le film, l'image est dégueulasse. Ça non, peut être une volonté artistique. Totalement une volonté artistique. Je vois Christopher Nolan, par exemple, qui aime bien tourner avec la pellicule et autres, qui aime bien avoir une granularité. Il ne faut pas confondre le grain et le bruit de l'image. Le bruit vidéo sont deux choses différentes. Et justement, un bon téléviseur avec une bonne source saura faire la différence entre les deux. Le défilement du grain n'est pas le même que les problèmes de bruit vidéo. Mais ça, on va dans des discours, oh là, ça dépasse les gens. Il ne faut pas qu'on aille là-dessus. Il faut qu'on leur dise qu'il faut qu'ils soient heureux, surtout les gens. Et pour être heureux, OLED, bonjour OLED, comment allez-vous? Vous êtes en HDR ou pas? Pépé, excuse-moi. On a beaucoup parlé d'images, mais il y a un élément qui me paraît essentiel pour profiter justement de son film, de sa série, de son contenu vidéo, de son jeu vidéo, c'est aussi le son. Et j'ai une question, est-ce qu'il existe encore des télés avec un bon son sans barre de son additionnelle à 500 euros en plus? Alors Julien, tout le monde, vous savez très bien que le seul problème réel des téléviseurs actuels, c'est qu'ils sont trop forts. Comment veux-tu avoir du coffre sur quelque chose qui est rompu et qui fait 3 cm, voire OLED, qui est de la dalle, elle fait 2 mm. Le truc, c'est que les fabricants sont heurtés à ce problème. Alors, quelquefois, il y a des fabricants comme Philips qui font la dalle. Enfin, le téléviseur est un peu plus large et derrière, vous avez un système audio. Moi, je conseille aux gens, mais encore une fois, c'est une question de thunes. Prenez le téléviseur le plus fin du monde, vous ne souciez pas du son et achetez une petite barre de son autour, une petite Yamaha, un petit truc comme ça, que vous mettez. Ça sera un super rapport. Vous aurez un téléviseur qui sera esthétique, parce qu'on n'aura pas grossi la profondeur, histoire de dire « Eh ben, je t'ai grossi la profondeur parce que je vais quand même te mettre du son », sachant que les gens, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit le plus fin possible et le moins mastodonte, et acheter une petite barre autour pour lui filer un coup de main ou utiliser… Il y a des gens qui utilisent des enceintes nomades maintenant, qui peuvent mettre autour, ou bien voilà, vraiment un petit système. Vous savez, est-ce que tu as une barre de son que tu conseillerais sans partir? C'est des marques que je conseille. C'est des marques. Moi, historiquement, Yamaha est le créateur de ce qu'on appelle les projecteurs sonores. Donc, j'aime beaucoup les systèmes Yamaha. Sony fait des bonnes choses. Voilà, je suis très grosse marque qui ont créé quelque chose. Je suis un mec, quoi. J'ai vu naître toutes ces entités. Je ne suis pas né en 1940 non plus, mais j'ai vu naître les technologies. Putain, on a le même âge. Traverser les époques. Il est là encore. Le même âge, on est le même âge, Julien. Mais le truc, c'est qu'en effet, j'ai des marques auxquelles j'ai une grande confiance parce que je sais qu'elles sont sur le segment depuis longtemps. Et Yamaha fait partie de ces marques auxquelles je crois terriblement parce qu'eux, ils sont sur son existence, par exemple. Donc, il y a des systèmes qui sont comme ça. Ça ne coûte pas directement une blinde. Et rajoutez ça au téléviseur. Vous verrez le confort que vous aurez. Ça va vous changer la vie. Et c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et ça peut vous servir pour l'audio et son Bluetooth la plupart du temps. Vous pouvez mettre de la musique avec votre smartphone. C'est multipass, la barre de son. Justement, elle est faite maintenant pour pouvoir recevoir pas mal de signaux et vous éviter de vous emmerder, quoi. Donc, ça peut servir de petites chenilles, de trucs comme ça. Donc, ne pas hésiter avec la barre de son quand on a un téléviseur. Vraiment pas hésiter. À mettre de l'argent de côté. C'est Marocco, ouais, faites-vous plaisir parce que c'est un élément important. De toute façon, on a plusieurs temps. C'est à mon sens primordial, ça fait partie. C'est au moins 50%, si ce n'est plus, de l'immersion et du ressenti.
Bah, évidemment, quand tu es au cinéma, tu vois une image, mais qu'est-ce que les gens vont sortir? Tu vois, hier soir, justement, à Justice League, quand je l'ai entendu en Dolby Atmos et avec l'image, les gens, ils sont sortis. Moi, j'écoutais les commentaires. Oh, t'as vu, t'as entendu le son, t'as vu le son, ah, les graves et tout, c'était du délire. Les gens parlent du son parce que ça les impressionne encore plus que l'image. Bah L'image c'est est dans viscéral, hein. Tu le ressens, le son. Il arrive dans ton corps, quoi, en fait. Derrière moi, d'ailleurs, j'ai l'enceinte centrale d'un système qui est une enceinte centrale, voilà, qui est un gros modèle Celestion pour avoir la chaleur des voix. Et j'estime que voilà, c'est important parce que sans ce système, eh bien, tu perds. C'est comme, alors, j'ai une démonstration très qui va être imagée pour les gens qui nous regardent. C'est comme si tu allais au Grand Rex et que tu avais une mini-chaîne en bas de l'écran. Ça ferait mal. Voilà. Eh ben, va toi te taper Batman avec une mini-chaîne en bas de l'écran avec une image géniale, ben, tu verras que ça sert à rien du tout. Voilà. Ça sert à rien. Allez Pépé, on arrive à la conclusion, au moment fatidique. Les gens ont tenu jusque-là grâce à ton envie, ta passion, ta... Sais pas, hein. Oh S'ils ont si, je le sais, je le sens. Mais donc voilà ma dernière question. J'ai des moyens bas, moyens et hauts. Voilà, je suis trois personnes différentes. Et ça y est, tu m'as convaincu. À Noël, en plus, je vais m'acheter une nouvelle console, etc. Je vais me prendre une télé. Sauf que j'arrive à ma Fnac, à mon Amazon, à mon qui tu veux, là, à mon petit revendeur du coin. Il y a 75 télés. Ah Lesquelles tu recommandes? Est-ce qu'il y en a certaines, tu peux dire, eh, franchement, celle-là, si vous n'avez pas trop d'argent, c'est plutôt celle-là. Si vous avez un peu, beaucoup. alors moi je crois en un truc, c'est je crois aux fins de série. C'est-à-dire qu'il y a un truc en télé, il y a un cycle. Et quand le cycle s'arrête, c'est vrai que on retrouve des modèles qui sont vraiment géniaux à des prix bradés parce que la marque va relancer quelque chose. Alors malheureusement, on tombe une période de Noël où justement on essaie de faire du fric, entre guillemets, il y a eu Black Friday et autres, mais on essaye de vendre les télés qui sont justement, les gens vont avoir une impulsion d'achat parce que c'est Noël. Et souvent, la période de Noël n'est pas la meilleure pour acheter des téléviseurs. Il faut plutôt attendre après Noël, il faut plutôt attendre, c'est con à dire, hein, après Noël ou bien après les grands événements comme le CES Las Vegas ou autres. Souvent, la fin Donc d'année quoi, en fiscale, février-mars? Ou ou plutôt la fin avril? d'année fiscale. L'année Alors, fiscale, ok. l'Asie, l'année fiscale, c'est le 31 mars. C'est une année fiscale où il faut qu'ils aient libéré le plus de stock possible pour bien, voilà. Donc, quelquefois, on trouve des bonnes affaires à des moments creux, genre avril. C'est facile ou à l'orée de l'été. Alors, moi, je dis aux gens, bien sûr, se faire plaisir, c'est primordial. Il y a des marques qui ont une grosse histoire dans le monde des téléviseurs. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à aller vers des acteurs historiques. Parce que je pense qu'il y a des marques qui sont, c'est pas que les marques qui sont pas légitimes, il y a des marques qui ont un gros service de recherche et développement, des gens qui bossent à fond. Je pense à des entités avec lesquelles, c'est pas que je travaille, mais je les connais depuis des années. Je vais voir comment ça se passe dans le monde entier avec elles. Des marques comme Sony, Panasonic. Panasonic est pas si connu que ça en France, mais ils sont très connus dans les pays adjacents, Grande-Bretagne, ce qui est pas adjacent, mais enfin Grande-Bretagne et Allemagne entre autres. Et par exemple, ce sont des marques qui sont très fortes au niveau de qualitatif sur plusieurs modèles. Il y a bien sûr les LG, il y a les Coréens, enfin en général les Coréens. J'ai du mal à répondre à ta question en disant tel modèle, tel modèle, tel modèle, puisque là maintenant la plupart du temps en 75 marques, il va y avoir des grosses entités qui sont dedans. Bien sûr, si vous tombez sur une marque inconnue, je vous conseille de vous méfier un petit peu parce que ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas le recul ou c'est le sous-marque de quelque chose. Je peux pas savoir. Par contre, essayez d'aller vers les valeurs sûres. C'est vraiment mon conseil. Les trucs où vous avez peut-être l'expérience d'une marque vous-même, c'est-à-dire que vous avez vécu avec un téléviseur machin truc. Mais tiens, cette marque, moi j'y crois. Prenez des téléviseurs qui sont évolutifs, qui ont beaucoup d'entrées pour pouvoir brancher plein de trucs dessus parce que le téléviseur doit être un hub. Si le téléviseur n'est pas bien fichu au niveau de ses entrées, vous serez coincé tôt ou tard. Si possible, qu'il puisse accepter une carte externe, n'importe quoi, une carte SD, un truc, voilà, il y a des très bons rapports qualité-prix, entre guillemets, en fin de série ou dans des nouveaux modèles. Il Mais faut il n'y y a aller. pas un téléviseur qui, là, au-delà même des considérations de prix, où vraiment tu l'as vu et t'as fait Ah oui, wow, mais il y a une diff. je vais vous citer des prix qui vont vous faire tomber de la chaise. Donc fatalement, bien sûr, j'ai craqué sur le LG Signature. Il vaut Qui est 15 000 ultra euros. fin, là, c'est ça, là. Ouais, Vraiment j'ai tout craqué proposé au sur le mieux. modèle Sony, les Sony OLED. Mais les Sony OLED, c'était une révélation quand j'ai vu ça. Le Panasonic OLED, j'ai vu des Le modèles Sony, excellents. c'est le Bravia avec un espèce de trépied, c'est ça? Avec le son, Voilà, il est magnifique. il y a plusieurs modèles. C'est le A1. Ce sont des produits où on achète ça, on achète une salle de ciné, quoi, je veux dire. Mais c'est des produits qui sont hyper coûteux et c'est un pari Bah, sur l'avenir. 3 000, C'est-à-dire qu'on achète 3 500 le euros. produit, c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a le produit qu'on achète en faisant un pari sur les 5 ans à venir et des produits
qu'on achète en disant j'en ai besoin, c'est génial, l'image est belle, ça va me satisfaire, j'ai des entrées, j'ai du USB, dessus, il est connecté, j'aime bien l'interface, j'aime bien les couleurs, voilà. Et c'est très compliqué parce que le monde des téléviseurs, c'est une jungle. Et moi, je ne peux pas là maintenant me poser en disant ça c'est sûr, je suis pas devant le téléviseur, je suis pas avec vous à la, chez Darty, à la Fnac ou je ne sais pas quoi. J'ai du mal. C'est très compliqué comme question. J'ai du mal à vous cerner un téléviseur qui serait. Mais dans ce cas-là, c'est. Écoutez, vous avez le arrobase, hein, sur Twitter, ppgarcia75. Vous l'appelez, ouais. Hein, vous lui envoyez un message. Non, oui, vous êtes peut-être disponible du samedi entre midi et midi et quart au Darty de Vaux-en-Velin. Et puis voilà, Pépé viendra évidemment individuellement régler chez vous, vous aider à choisir votre télé. Le calibrer en plus. Exact, non, mais sûr. Franchement, attends. Faites-vous plaisir. Non, mais vraiment, Ultra HD, pour moi, c'est sûr maintenant. Ouais, oui. J'aurais pas dit ça il y a 2 ans parce que je savais pas comment allait se comporter la profession, je savais pas ce qu'allait faire Netflix, je savais pas ce qu'allait faire Amazon, je savais pas ce qu'allait se passer avec le Blu-ray Ultra HD. J'aurais dit, mais maintenant, ça s'installe, le HDR s'installe, le Dolby Vision va s'installer parce c'est que Dolby Vision va pousser à mort avec les salles de ciné en disant, on a le Dolby Vision sur les Blu-ray, c'est la même chose que dans les salles de ciné. Et puis les gens vont dire, ah bah ouais, mais dans ma salle de ciné, c'était super, j'aimerais avoir la même chose chez moi. Donc, ça va pousser. Sachez que on n'est pas à un tournant de quelque chose, on est à une évolution qui va s'accélérer. Ça va s'accélérer vers le HDR, vers les images de qualité. J'en suis convaincu et je le souhaite pour nous tous parce qu'il y a encore tellement de choses à faire dans l'électronique, il y a encore tellement de choses à faire pour que ce soit encore plus réaliste. On n'est plus passif devant un écran maintenant, on est actif, on vit le truc. On a accès actuellement à des moyens techniques qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Il faut en profiter si on a un peu de thunes et on va se rassasier les ratings comme des gros malades et c'est un pan aussi. Voilà. Bah voilà, en tout cas, moi déjà, je tenais à te remercier infiniment, vraiment, pour tous tes conseils, tous tes éclaircissements. Et je suis persuadé que si parmi vous, il y en a certains qui ne te connaissaient pas, eh bien, je serais trop vous inviter. Bah non, absolument pas, je ne pense pas. Vous inviter à aller retrouver Pépé sur sa chaîne YouTube, Pépé World, ou sur son Twitter, Pépé Garcia 75. Et puis sinon, vous allumez votre télé. Il est aussi sur BFM Business, sur 01net. 01net, il est partout. Mon émission sur 01net qui s'appelle Power tous les lundis. C'est mon émission que je me balade dans le monde entier. Il y a des tests, il y a tout. Il y a des reporters, journalistes d'usine, des trucs que vous n'avez jamais vus. Parce que moi, mon rôle, c'est... Je ne peux parler que des choses que si je les ai vécues. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je vais partout dans le monde parce que j'ai besoin de parler avec des ingénieurs. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans les labos. Je pose des questions connes peut-être à tous ces gens dans le monde entier. Je suis insistant, curieux. Je veux savoir, bordel. Je veux savoir où on va. Et même encore aujourd'hui, j'ai pu montrer, Julien, avec les gens qui nous regardent, que je ne peux pas tout savoir parce que l'industrie elle-même a des interrogations encore. Surtout avec Hollywood et la façon dont tout se passe sur place. Tout est lié. Vous savez, Hollywood, la façon dont on produit les choses, décide de beaucoup de choses pour le grand public derrière. Et là, quand on voit ce qui se passe avec l'Ultra HD, le HDR et le 4K sur place, on se dit ce qui se passera chez nous, c'est la même chose après. Parce que c'est eux qui donnent le pas quand même. Voilà. C'était un vrai bonheur de t'avoir. Un authentique journaliste, franc, direct, pointu et... passionné. Moi, je trouve que ça fait extrêmement de bien et j'espère que vous avez appris, et j'en suis persuadé parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses, plein d'informations qui vont peut-être vous aider, soit à franchir le cap, soit à affiner un petit peu votre réflexion. En tout cas, maintenant, 4K, Ultra HD, HDR, OLED, tous ces trucs un peu barbares, vous connaissez tout. Vous savez mieux, en tout cas. Merci, Pépé. C'était super. J'espère. Il n'y a que pour les conseils d'achat où je n'ai pas été top parce que j'ai du mal. J'ai du mal à donner. C'est honnête, etc. Et puis en plus, tu as donné rendez-vous à tous les tweetos, etc. Donc, pour aller chez eux directement, voir tous les télés, les aider à leur choix. Donc, c'est dégueulasse, Julien. C'est dégueulasse. Je te maudis. Des gens vont le faire vraiment. Attention. Oh, je te maudis. Allez, n'allez pas embêter Pépé, bien sûr. Mais n'hésitez pas à le Twitter questionner. Et puis, si vous le croisez à l'autre bout du monde, je suis persuadé qu'il sera ravi de vous faire un petit coucou. Ah ouais, je fais des coucous. C'est quoi ta prochaine destination? Tu l'as dit tout à l'heure, Netflix? Ouais, bah, y a des trucs en Europe, parce que je pars à Londres, je pars à Munich, je pars en Asie encore, et je pars surtout après aux États-Unis pour le CES Las Vegas, et j'ai des rendez-vous à Hollywood également pour qu'on parle avec des réalisateurs. J'ai un truc génial qui va arriver, c'est que j'ai la chance d'aller dans un endroit où vont mettre des réalisateurs dans une pièce, des gros réalisateurs, hein, qui vont nous parler de la façon dont ils utilisent maintenant le numérique, le 4K et le HDR pendant les tournages. Et il y aura des grosses pointures.
qui vont être là, qui vont dire voilà ce qu'on va faire pour Hollywood dans les années à venir. Et ça, ça va me faire ultra kiffer, mais un truc de malade. Et on pourra voir ce qui se dessine. Et là, je pourrais mieux vous répondre sur ce qui va se passer avec les téléviseurs, parce que tout n'est qu'une réaction de ça, étant donné que sur place, il y a Sony Pictures, Panasonic, ce sont des acteurs de l'électronique qui sont maintenant investis à Hollywood. Et tout est lié. Génial. Et tu connais déjà le sujet de ta prochaine vidéo sur ton YouTube, sur ta chaîne? Ah ouais, ouais, j'ai un truc. Ouais, je suis parti à Seattle et je suis allé voir cette ville. Donc, c'est la ville d'Amazon et de Google. Ça, c'est la vidéo de dimanche soir parce que c'est comme une ville historique également pour tout le high-tech. Et le prochain Power sera un best-of de Noël avec justement plein de choses au niveau de l'audio, de la vidéo, des téléviseurs. Donc, c'est lundi sur 01net et sur YouTube 01net à 20h. C'est le best-of de Noël avec plein d'idées de cadeaux. Ben, voilà, génial. Clairement. Bah, écoutez, n'hésitez pas à aller rendre un petit coucou à Pépé dans toutes ses activités. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas. Le petit pouce, l'abonnement, la cloche, tout ça, le partage sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir. À très très vite, Pépé, et à très bientôt à vous. Vive la passion du jeu vidéo. Et puis là, aujourd'hui, un petit peu du high-tech. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Merci, Julien. Et si ça vous intéressait, ben n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre cette communauté incroyable. Ça fait plaisir et puis il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent sur la chaîne.